Salam alaikum. Donc nous allons commenter une série d'audio au niveau de notre cours Introduction à l'interculturel. On s'est arrêté la dernière séance au niveau de l'axe interculturel et altérité. Nous avons dit que lorsqu'on va chercher la définition du concept de l'altérité dans le dictionnaire, nous allons découvrir que ça vient du latin alteritas. Et que ce qui est le plus important pour nous, comme vous avez dans le document que je vous ai envoyé sur la plateforme, c'est qu'il est question de changement. Et c'est ça ce qui est le plus capital pour nous. C'est-à-dire le rapport à l'autre, l'altérité puisque c'est l'autre, donc il va y avoir toujours cette question de changement. L'altérité est aussi c'est une forme d'exotisme. Cette manière de voir l'autre sous forme de l'exotisme. C'est une distorsion de l'autre, une modification de l'autre, une altération de l'autre. Nous avons vu également que l'altérité, elle stimule l'imagination. Et je vous ai donné l'exemple que nous avons vu en classe, à savoir d'écrire quelques lignes sur le désert ou sur la femme japonaise. Et nous avons mis l'accent sur le fait que dans notre rapport à l'autre, il y a une part d'objectivité. C'est-à-dire l'altérité commence avec la réalité, ce que je vois, ce que j'entends. Mais il y aura toujours une part de subjectivité, bien sûr. Ce n'est plus la confrontation avec l'autre, mais avec la réalité et sa représentation. L'altérité, en fait, elle commence avec la réalité. Ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends, c'est l'autre, c'est l'arbre, c'est la table, c'est l'individu. Et donc, comment saisir l'autre? Ça va être à travers des éléments objectifs, ce que je vois réellement, concrètement, mais il y aura toujours la part du subjectif, c'est-à-dire du moi, la subjectivité, bien sûr. Donc, l'altérité est une forme d'expérience de la rencontre de l'autre. Et chacun va vivre cette expérience de la rencontre selon ses prédispositions. On peut vivre cette expérience de la rencontre de l'autre d'une manière pacifique, d'une manière agréable, d'une manière constructive. Comme on peut vivre cette exposition à l'autre, cette expérience de la rencontre à l'autre dans le drame. Je peux tirer une mauvaise expérience de cette rencontre. Il se peut que j'ai eu un rapport, je donne un simple exemple, bien sûr, j'ai dit toujours les exemples que je vous donne, ce n'est pas à réutiliser, c'est juste pour faire comprendre le sens. Je peux vivre un rapport avec un Français et je peux dire que ça a été une bonne expérience, une expérience enrichissante. Comme quelqu'un d'autre va vivre cette même expérience avec ce même Français, mais il va la vivre d'une manière désagréable. C'est-à-dire, on va dire que le courant n'a pas bien passé. Je n'ai pas pu vraiment créer des liens. Ça s'est arrêté à un stade assez élémentaire, assez superficiel. Donc l'altérité, c'est une expérience de la rencontre. Cette expérience peut être positive, ou elle peut être négative, comme j'ai dit, selon les prédispositions du porteur de culture. Autrement dit, le porteur de culture peut vivre l'expérience de la rencontre de l'autre pacifiquement. Ça peut se passer d'une manière agréable, pacifique, enrichissante, positive, comme il peut la vivre sous une forme conflictuelle, c'est-à-dire pour lui, c'était une mauvaise expérience. À un autre niveau, nous allons nous demander que puis-je apprendre sur moi-même quand je suis confronté avec l'autre, avec tous les obstacles que suscite l'altérité extérieure. Vous devez comprendre que nous avons une double altérité. Il y a l'altérité intérieure et il y a l'altérité extérieure. L'altérité intérieure, c'est-à-dire moi en tant que autre. Moi en tant que autre. On a l'impression que dans notre tête, ce qu'on appelle le dialogue intérieur,
une voix qui nous parle tout le temps. C'est-à-dire, nous, on devient un autre. Et nous avons une autre altérité, c'est l'altérité extérieure. Bien sûr, ce sont les travaux de Lévinas qui parlent de l'altérité intérieure et de l'altérité extérieure. C'est-à-dire l'autre. C'est-à-dire l'autre porteur de culture, un autre individu. C'est ça sur lequel nous allons nous attarder. Ce qui nous intéresse le plus dans notre cours, c'est l'altérité extérieure, bien sûr. Donc, je reprends la question. Qu'est-ce que je peux comprendre et savoir sur moi-même et connaître sur moi-même? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même quand je suis en face avec l'autre, c'est-à-dire l'altérité extérieure? Et donc là, vous allez voir que c'est grâce à l'autre qu'on peut découvrir énormément de choses nous concernant, bien sûr. Pour se comprendre, le moi a besoin, bien sûr, de l'autre, bien sûr. Lorsqu'on est confronté à l'autre, ça nous permet de réfléchir sur nos valeurs, sur nos croyances, sur notre culture. Donc, l'autre, il est capital pour nous pour se comprendre. Il favorise la réflexion sur notre acquis monoculturel qui vient de notre culture. On est dans la satisfaction, dans l'autosuffisance. Mais une fois qu'on est confronté à l'autre, donc on va comprendre que certaines valeurs, certaines croyances, certains fondements qui nous viennent de notre culture, eh bien, ils peuvent faire l'objet de quoi? De questionnements, bien sûr. Et que parfois, ce n'est pas valable. Ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour l'autre, bien sûr. C'est pourquoi l'autre, il est tellement intéressant. Et vous avez toujours dans le cours que je vous ai envoyé sur la plateforme, le passage de Bertrand Badie, Marc Sadoun, dans leur œuvre, livre qui s'intitule « L'autre ». Et nous allons lire « Si l'altérité redevient ainsi une façon de décrire l'extraordinaire diversité du jeu social, elle s'impose en même temps comme mode d'interprétation du comportement des individus et sur le plan normatif comme principe organisateur de la société ouverte, c'est-à-dire une société faisant le pari de construire ses performances sur l'échange, la diversité et le respect. J'attire votre attention dans ce passage que il y a cette question de la société ouverte. Qui dit société ouverte? Bien sûr, on est dans l'interculturel, c'est-à-dire il y a échange, il y a partage de valeurs, de croyances. Et cette ouverture, bien sûr, elle se base sur un triangle, à savoir l'échange, l'interculturel, la diversité, bien sûr, la diversité culturelle et le respect. C'est-à-dire, la réussite de l'interculturel, elle se base sur d'abord l'acceptation de la diversité et le droit à la diversité et le respect de cette diversité, ce qu'on appelle l'éthique interculturelle. Qu'est-ce que l'éthique interculturelle? C'est avoir un regard positif envers l'autre. C'est accepter sa différence. Cette acceptation est mutuelle. Et un autre principe, c'est celui de l'échange, de l'acceptation de l'échange, bien sûr. Par la suite, vous avez comme synthèse, ce qu'on peut dégager de ce passage, vous avez ce que j'ai mentionné comme trilogie. Échange, diversité et respect. Qui dit respect interculturel dit éthique interculturelle, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'interculturel, comme une forme d'échange entre les cultures, s'inscrit dans le cadre de la diversité. Ça, c'est très important. On est dans la diversité culturelle. Il n'y a pas une seule et unique culture, mais il y a plusieurs cultures. Cette diversité culturelle, comme nous l'avons souligné, est dépendante et tributaire du principe de quoi? De reconnaissance de la différence et de légitimation des différences. C'est-à-dire, être différent, c'est un droit. Droit à l'existence et légitimation des différences.